Oh, pitié, au moins shape. Ah bah en vrai, plutôt un bon golem. Ça nous donne moins de scrupules à monter en vertical fast, parce qu'on aura déjà shape et vanguard. T'es un bon golem en vrai. 8 shape pour rien, mais t'écris des mots au hasard dans le chat ou pas? Qu'est-ce qui se passe mon ref? Jace Warrior, ça a l'air éclaté. Ça a l'air éclataxe. Ouais, Edge of Night, mais... Ah, je sais pas, Valtoran. Pense que c'est Gaze, mais... Oh là là. À l'aide. Putain, mais on est obligé de cliquer encore sur Stars Arborn, hein. Ça suffit! Personne va nous péter les couilles là, j'ai pas rêvé. Le problème que j'ai, c'est que je peux pas acheter de Zoé si j'en vois une. Peut-être que c'était Raining Gold plutôt. Et peut-être que pour une fois, on va pouvoir reroll notre Kassadin et notre Galio. Oh, machin, il m'a dit. J'avais pas vu. Peut-être qu'on va pouvoir. Une spot Witchcraft quand même, c'est vraiment dangereux. On n'a pas de BF. En vrai, c'est un start de 2 items, ça va. On aura des items plus tard. On tue Vex, regarde, regarde. Ah, voilà. Attends, on tue Galio? Oh, le bonheur, il est là. Il est à portée de main. Oh, la good loss. Oh, il est. Attendez, attendez, on a été assez rock'n'roll pour ce soir. On va changer de registre. Da 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 da. Allez. Qu'est-ce qu'il fout? Bottom. J'ai un peu trop fait de bottom. Et je n'ai plus de LP. J'ai envie de pleurer. Baba baba. Baba. Putain, mais... Pourquoi c'est game de con ce soir? Je peux pas acheter cette Zoé. Hein. Badabam. Badabam. Bon, l'avantage, c'est qu'on peut commencer un roll. Quasiment. Quasiment. Boum. Non mais par contre je suis abasourdi quoi. Le boug il a vraiment ce golem. Il clique sur poteau, il a ça quoi. Enfin c'est... Il a toutes les meilleures transis possibles. Into finir en 9 ferry tranquillement. Et on lui a laissé un arc, j'imagine, évidemment. Donc il a sa première Ginzu.
Ah, il y en a comme ça, ça arrive, hein, mais... Là, c'est sûr que cette game-là... là, vraiment, si tu bottom... Ah, il est pas content. Ils ont bien raison. Moi non plus, je suis pas content. On va tuer un truc. Oh là 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 là. On va peut-être même tuer deux trucs, regarde. Tu es un chevalier, Harry. Prends ton épée, tu es un chevalier. Peux tuer Vex ou pas? Parce que oui. Hein. Oh banger. Merci alors. Banger, 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 tue seulement, tue. Oh, bloss. Oh. Thanatos. Thanatos est son sixième mois d'abonnement. Enfin, une perruque un peu décente. Ça manque de couleur, mais ça approche. Merci beaucoup pour les 6 mois de sub. Merci beaucoup. Oh. J'ai pas vu 70 Kog'Maw. On essaye de tuer, d'abattre l'ennemi. Pour bientôt. Peut-être tuer le Blitz. Parfait. Attends, mais on gagne? Non. Mais pourquoi il a pas son item sur Tristana, lui? On aurait pu gagner juste. Épée. Bon, on a l'Aurore, hein. Encore une fois, pas un Galio, pas un Cassadin, et on a vu quasiment aucun, on a vu un Jace. J'ai envie de Clacax. Ouais, c'est une dinguerie. Enfin, toutes mes games peuvent pas ressembler à ça. Je suis désolé. Au bout d'un moment, j'ai le droit de jouer moi aussi. Pourquoi y a que les deux autres qui ont le droit de s'amuser? Alors, on a déjà roll énormément. J'ai fait une grosse économie exprès. Arrêtez de me bully. Ce soir, Mordog est très dur avec nous. Ce soir, Mordog est très dur. Baguette, oh non, vraiment. Je crois que là, je n'ai pas le droit de jouer ce soir. Malheureusement, je ne suis pas en capacité physique de jouer aux jeux vidéo. Qu'est-ce que c'est que ces merdes? J'ai pas de Jace. Non, ils ont le bipatch, il est assez conséquent, il y a beaucoup de choses. Je peux pas faire une BT, c'est trop gaze. On enlève Galio, on met Zoé, on met Nico. On essaie de snowball dans un 4 shape, j'imagine, si on a Nico 2. Faire un gold, mais... Là, le problème, c'est que Jace, on est si loin. On est loin des autres aussi. Bah là, pour le coup, je crois que je le clique. Parce que j'ai rien d'autre. Donc j'ai juste à aller chercher un gant, et du coup, ouais, après, je peux faire des items. Non, j'ai pas d'items, je sais pas ça. Ok. Donc attends. Oh merde, qu'est-ce que je viens de faire? Mais débile! Je recommence, je refais la même chose.
Je sais exactement où ils sont et pourtant je fais deux fois la même connerie. Ramasse! Donne-moi mon palier. Je vais y faire une lèche 3, what the fuck. Oh, je joue bien là. Oh, je joue bien là ce soir. Oh là 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 là. Bon. Du coup, on a trouvé des Jace. C'est une plutôt bonne nouvelle. On a trouvé énormément de Zoé, évidemment. Les deux clowns ici pourront rentrer plus tard. On va virer le cat shape. Ça, on a déjà eu, donc vas-y, on gagne. Ok, 2 gold, parfait. Là, on va chercher une IE. On finit avec Fishbone et on est... voilà. Un roll. Y'a pas un moment où je roll à 10. Voilà. Enfin, 2-10, à 40. Je sais où ils sont, je les connais par cœur. Dites-nous bien que je les ai appris. Mais bon, ça m'empêche pas de faire des conneries. Je suis en full panique. Juste en full panique. Nouveau modo? Ça peut te foutre, qu'est-ce que tu... Non, c'est pas une lucky du tout. Tu veux devenir modo? Tu veux forcer la modération? Bon, bah on avait dit c'est augmente, c'est pas très bien dans un spot où on a déjà des items. Là, on a aucun item, donc je pense que c'est fine. Je pense que c'est fine. On avait même un début de win streak, c'est vous dire. On finit Jace en avance, on va chercher un Ryze, un Taric. Et voilà. Oh waouh. Ouais, attends. attends. Là, par contre, en vrai, je vais au 6. Et ouais, ok, je sais comment je vais me stab. Là, faut pas déconner. Désolé, mais le gant, il va se faire foutre. Je refuse pas le Ryze Ginzu Morello avec Vanguard ici, Kassadin 2 qui rentre à la place des shapes de merde. Ouais, ouais. Je vais vous le dire. Il y a aucun monde où je faisais pas ça. Vraiment aucun monde où je faisais pas ça. On trouvera un gant un autre jour. Je vous l'annonce. Ah, attendez, j'ai eu des messages. En platine, le gap entre platine et au-dessus qui te manque. Hein? Alors dragon, c'est pas terrible, hein. Enfin, genre... Enfin, c'est pas fou, quoi. Mais c'est probablement pas tant les compos que ça, hein. Quand on est stuck, généralement, c'est pas qu'on joue les mauvaises compos, hein. C'est probablement qu'on fait des erreurs dans notre gameplay, de manière générale. De toute façon, c'est un peu toujours la même chose. Et c'est difficile d'estimer comme ça ce que tu fais comme erreur, parce que bah je te connais pas et je sais pas ce que tu fais, mais... Toujours le même conseil, hein, faut review ses games. Malheureusement, avec quelqu'un qui généralement a un meilleur niveau, c'est mieux, mais... Après, je suis pas le mieux placé pour dire ça, parce que ce soir, je joue vraiment comme un gros nulos. Bon, est-ce qu'il va faire des trucs maintenant? Modération, c'est vrai, tu fais attention. Y'a pas bise. Non mais... Alors désolé, mais les modos... Enfin, le prochain modo sera forcément quelqu'un que je connais bien. No offense, hein, je sais pas que je vous... Mais enfin, si on sait jamais vraiment parler et que... Enfin, vous comprenez bien, hein, genre c'est trop chiant d'avoir un modo potentiellement qui fait n'importe quoi. J'en ai déjà eu un, hein. Multimelta TV. Qui arrête pas de redemander de devenir modo. Ce mec, dès qu'il a eu les pouvoirs de modération, il a pas arrêté de me troll. Alors que c'est un pote IRL depuis 10 ans, tu vois. Enfin, même beaucoup plus, 20 ans maintenant. Mais dès qu'il a eu un peu de pouvoir de modération, c'était objectif cassage de couilles. Donc malheureusement, moi je préfère aller sur des gens qui, je sais, me trolleront pas parce que je les connais bien, et voilà. Mais c'est pas du tout contre vous, et c'est très gentil de vous proposer, sachant que c'est un travail de merde et que c'est un travail gratuit, vous êtes des esclaves. Ah! Bravo Joker, content. Non mais parce que de base c'est un connard, enfin un troll. De base dès qu'il peut faire chier, il fait chier, donc j'aurais dû m'en douter. Mais c'était l'époque où on avait
Il a pété un boulon, Barney, là, qu'est-ce qu'il fait? Mais pourquoi il est là, lui? Deathblade, en vrai? Ou Shojin? Peut-être que je devais pas prendre... Faire Shojin pour l'instant, je vais quand même aller chercher autre chose. Ça peut être IE et ça peut être autre chose. Je suis 3 off Kassadin, qu'est-ce qu'on en dit? Kassadin 3 m'intéresse pas tant que ça, c'est s'il vient, mais là on avance, je pense. Oh non, les Frost, le pire cauchemar de Jace. Il ne tue pas les carry. Hein. On me demandait beaucoup de choses. Attends. Grab bag. C'est bizarre, hein, ce que je viens de faire. C'est vraiment pas bien ce que je viens de faire. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'est pas très bien ce que je viens de faire. Top 3 des méta les plus fortes. Les compos les plus fortes, bah... Pas... Mage, Kalista... J'ai dit que c'était une augmente de merde, mais contextuellement, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des fois où ça doit être bien, et là, je pense que c'était ok. Je pense que là, c'était ok. Mais on se rend compte qu'il nous retroll, hein. Il tape jamais les bons. Il a laissé qui en vie à la toute fin? Il reste que Fiora. Ce gros Hunter. On a failli perdre, hein. Genre, vraiment, il nous in de fou, le Jace. Il ne tape pas les carries. Il dodge les mecs qui ont des carries. Non, il dodge les carries. Non, mais... Oh, putain, je suis désolé, j'arrive pas à interagir avec vous, là. J'essaie de réfléchir à un plan de jeu pour pas bottom depuis tout à l'heure, et je fais que des erreurs, en fait. Je joue vraiment très très mal, là. Oumaili. J'ai cliqué sur Varus 2, oui. Ah oui, si je dois être honnête avec... Je suis honnête, oui. On est dans l'honnêteté entre nous? Ouais, j'ai failli. Mais parce que je clique jamais sur cette augmente. En vrai, Star Zarborn plus Reinforcement, c'est du troll de fou. Ok, il a tué un mec de la backlane, c'est pas dégueu. Et on tag des trucs, mais après ils ont 0 balles. Le problème c'est qu'il me faut encore Nora, et Nora, nous on l'a jamais vu au 8. Jamais. On l'a vraiment jamais vu au 8. C'est pas une exagération. Je ne la vois jamais au 8. Et à chaque fois elle est au carreau, et je ne l'ai pas. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais jouer ça. Mon cas c'est les couilles. Level up, 4 shape, 6 portails, braillard. M'a cassé les couilles. Ouais, il arrive lui, hein. Ah, c'est ça que vous voulez? C'est la bagarre que vous voulez? En vrai, Nico est probablement mieux malgré tout. Je trouve ça ouf parce que les déj au 8 j'en vois vraiment beaucoup, mais c'est jamais Nora. On va
Alors lui, putain. C'est celui qui a le plus de PV dans la game. Bizarre, mine. Bon, le Rise, c'est pas le Rise de l'année non plus. Mais bon. Et j'ai une augmente de moins pour l'instant parce que j'ai pas acheté de quoi que ce soit. Quand... J'aurais du roll, là. Je sais pas pourquoi j'ai pas roll. J'essaie de me concentrer sur trop... Oh, il a tué Kalista, putain. Enfin, il a fait quelque chose avec ses items. Non, on perdait, mais quel banger. Mais par contre, quand il tue Kalista, évidemment, c'est banger. Il fait 13 000 de dégâts et il a one-shot la backlane. Bon, bah oui. Oui, c'est bien. Mais bon... On tente un Rise 3. L'avantage de elle, c'est qu'elle tempo à mort. Donc en vrai, je vois en 4 shapes, ça a beaucoup de sens. Après, on peut level up puis portail, peut-être. On a un Taric 2, quoi. Mais là, j'aime bien cette version-là. Hein. C'est un niveau 8 qui est très très stable. On peut essayer d'avoir Kassadin 3, Rise 3 si on en trouve beaucoup. C'est aussi le but de Reinforcement, hein. Souvent, c'est d'aller faire des 4 cost 3 stars ou de se stabiliser. Nous, c'était plutôt se stabiliser, mais. En vrai, pourquoi pas essayer. Mais il recule en fait, c'est ça son problème. C'est que du coup, là, il a pas la range pour taper Karma. Là, il l'a eu parce qu'elle a avancé, mais sinon, il pouvait pas. Si, Bergerot pour le follow. Le scout. Non, mais je vais pas le tenter tout de suite, mais on les garde de côté. Évidemment qu'il y a un mec qui joue Rise. Mais ça ne nous embête pas, ça. Il va mourir. Regarde. Il est où? Eh bien, Scholar qui jouait... Mais non, c'était lui, il jouait Karma, mais non, il n'y a même pas de Rise. Et ils ont sorti 1 milliard de 4 cost, c'est bon. Il n'y avait pas un mec qui avait Scholar et qui voulait jouer Rise? Ou j'ai fumé? Il y avait lui, là. Mais oui, ah putain, non. Du coup, il est parti mage. Ok. T'es free. Bah, de toute façon, on va roll des charmes tous les rounds. On va essayer d'avoir Kassadin 3, je pense, malgré tout. Donc, en vrai... C'était rack ou BT? Je connais pas assez Braillard. C'est quoi qui a le plus de value? En 4 shape. Elle a pas de heal. Je crois que je préfère BT, mais bon. Je crois que je préfère de la sustain en vrai. Ça se reforge, mais bon. Oh, Matkra. Ok, on tue Jinx, pitié. Ne tape pas les soldats de glace de merde. Ok, il a tué Jinx. Et vous voyez là, c'est la différence entre un round perdu et un round gagné, mais c'est trop random. Genre si je tue pas Jinx, j'ai perdu, si je tue Jinx, j'ai gagné. Ça n'a pas de sens. Là, c'est à mon avantage cette fois-ci, la prochaine fois, ce ne le sera pas, et j'ai envie de crever. C'est trop gamble. Si je gagne mon prochain round, je gagne 10 gold. Allez, j'adore. J'adore faire n'importe quoi. En vrai, on a eu Nico 2, ça passe. J'ai tellement peur de la Fiora. Oh, il y a des augmentes de fou en plus. Allez, tue Fiora. Il tape tout le monde sauf Fiora, j'ai envie de crever. Il tape tout le monde sauf Fiora. Ou Gwen. Attends, mais c'est horrible, c'est trop random, je peux plus cliquer là-dessus. J'abandonne le Kassadin. Dis rien, ils savent pas. On cache, on étale. On met d'autres trucs pour étaler. Discrètement. Visuellement, c'est impeccable.
Ok, tu vas tuer Vegar ou Nami. Forcément, au moins un des deux. Il a pas joué. Il a passé sa vie en l'air. Ouais, un dupli braillard, quoi. On attend un round, si on le gagne, on attend le PVE. Nous, on roll down et on dupli braillard. Mais c'est trop serré, c'est horrible. C'est horrible, mais bon, c'est les maps mannequins, c'est horrible pour nous, parce que bah... Ça donne un petit bonus là où les mecs ça leur donne leur compo quoi. Ouais, le problème c'est Galio, voilà la merguez quoi. En vrai elle est tank mieux je pense. Non mais c'est normal, il a full mage et il a Tamkench mage et tout donc... C'est sûr que ça allait se passer comme ça. Y'a quoi lui? Pas grand chose. Normalement ils ok là non? Oh on n'a pas tué la karma. FFL a un PV. Ça va. Bon ok. Immune CC, ça aurait été bien contre le mage dommage. Le mage dommage. Ok, on perd ce round, c'est sûr. Ça deny pas, hein. Ouais, méfiez-vous. Bon, les 8 portails, on dit fuck cette game. Et voilà. De nouveau, si on tue Jinx, on gagne la game. On gagne le round. Rappelez-vous, tout à l'heure, on l'a tué, on a gagné. On a dit, bah, si on tue pas, on gagne pas. Ah, on l'a tapé, hein. Ça ne suffit pas. Là, il a vraiment beaucoup, pour le coup. Ah, les augmentes des mecs, mais... Genre, tu ne peux pas... Genre, si tu fais une liste de courses, tu veux exactement ces augmentes-là. A priori, tu ne peux pas voir mieux que ça. Il n'y a pas vraiment de débat. Vous les sentez les problèmes là? Vous les sentez les problèmes arriver ou pas? Bah là je passe beaucoup moins de rounds parce que j'ai eu aucun item. Donc Jace aurait eu une IE là globalement. Ouais de fait il aurait eu peut-être voilà mais... Disons que si je prenais pas ça j'avais pas d'item, c'était un peu chaud. Mais... Tout à l'heure c'était moins bien.
J'étais de l'autre côté, je gagnais.